Bonsoir frère Alpha 520. Bon là on est dans ton stand là. Bon, on est venu pour te poser quelques questions par rapport à Bled Foundation, mandat d'arrêt. Du style, qu'est-ce que tu penses de la déforestation en Afrique? En sachant que monsieur Vincent Bolloré, par exemple, des groupes comme ça, milliardaires comme ça, sont en train de piller l'Afrique pour faire des cigarettes et ils donnent rien du tout au peuple africain. Toi, tu penses quoi de tous ces multinationales, toi, et des faits qui fassent ça? Moi, mon message avant tout, ouais, à tous les Africains, c'est de s'unir, tu vois, parce que nous, on est victimes non seulement de la déforestation, mais du pillage. Quand je dis du pillage même, tu vois, je mesure mes mots, c'est même plus du pillage, c'est vraiment des ogres, tu vois ce que je veux dire, des monstres qui viennent nous déposséder de tout ce qu'on a et qui laissent nos enfants, nos femmes, nos mamans, nos frères, nos sœurs, tout ça dans la pauvreté la plus intense. Tu vois, ça va de la déforestation, ça va de l'exploitation minière, parce que je veux dire, quand ils regardent que des bleds comme le Niger qui ont de l'uranium, que les gens ils arrivent même pas à manger, que c'est l'uranium qui fait fonctionner toute l'électricité en France, 80% de l'électricité en France c'est du nucléaire, ça vient du Niger, faut que les gens ils le sachent, parce que je veux dire, quand ils regardent qu'il y a des zones maintenant, tellement ils ont coupé tout le bois qu'il n'y a plus rien, que ça a même créé maintenant des changements climatiques en Afrique, en Amazonie, franchement ça devient très grave, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, donc j'ai vu tous les frères, tu vois, au moins je ne veux pas dire prenez les armes physiquement, mais au moins intellectuellement, parce que ça commence déjà par l'esprit, à dire à tous les frères, tu vois, déjà soyez conscients que si on continue comme ça, dans 20 ou 30 ans, on ne laissera plus rien pour nos enfants, alors que nous on est le continent le plus riche. Mais nos enfants sont les plus pauvres. C'est vraiment pas normal. Rien que 4 pays d'Afrique, je te parle, Angola, Zaïre, Gabon, plus Nigeria, ils peuvent nourrir l'Afrique toute entière. Ces 4 pays-là. Avec toutes les ressources. Ouais. Et regardez ce qui se passe au Gabon, il n'y a même pas 200 km d'autoroute. Gabon, il y a 1 200 000 habitants, il n'y a même pas 200 km d'autoroute. C'est grave. Normalement, le Gabon serait dit être un pays comme le Koweït ou comme l'Arabie Saoudite. C'est ce que je veux dire. Il n'y a rien. Alors Zaïre, j'ose même pas en parler, tu vois ce que je veux dire, c'est pillé par des Ukrainiens, par des Israéliens, par des Français. Chacun il vient, il se sert comme il veut parce que c'est un gouvernement qui sert à rien. RDC, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi l'autre pays dont j'ai parlé? Angola. Angola. Tu vois, Angola, c'est pareil aussi, il y avait des guerres civiles avec Jonas Savimbi, ils ont essayé à régler ça un peu. Mais t'as vu, maintenant, il y a aussi des mecs qui sont corrompus au pouvoir là-bas, qui font ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Donc j'en parle, tu vois, Angola Gate avec Charles Pasqua pour les mecs qui s'en rendent, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc j'invite tous les frères à s'instruire, instruisez-vous, t'as vu. Instruction, ça veut pas dire aller à l'école. Maintenant, tout le monde, il peut avoir à Internet. Vous pouvez toujours avoir des émotions, il y a toujours des reportages. Essayez d'apprendre sur ce qui se passe. Et c'est en étant un homme instruit qu'on va tous faire avancer l'Afrique, tu vois. Après, Inch'Allah, s'il faut passer à l'action, on passera à l'action, Inch'Allah. Mais par exemple, là, ils sont en train de dire pareil, il y a une pénurie d'eau mondiale bientôt, là. Ils disent pratiquement qu'il faudrait faire des réserves maintenant, parce que dans les 25 ans qui viennent, il va y avoir des réfugiés climatiques et les puits d'eau en Afrique sont en train de faire sécher un peu de partout. Qu'est-ce que tu penses si, par rapport à ça, hein? Encore, ça revient au même problème, frère. Tu sais, si tu sais, normalement une forêt, tu coupes toute la forêt. Normalement une forêt, tu vois, ça c'est à cause ça qu'il y a de l'oxygène, parce que tu vois ça. Mais quand tu coupes toute la forêt, tu changes le climat d'un pays, tu changes le climat d'une région. Donc c'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a plus de pluie dans certaines régions d'Afrique comme il y avait avant. Donc quelque part, et quand tu résous un problème, tu regardes toujours la racine. La racine, donc c'est les mecs qui ont coupé les forêts. Et c'est nous, on les a permis de venir couper nos forêts. C'est vrai. Ce que je veux dire? Oui. Donc quelque part, tu vois, c'est trop facile de dire, ouais, nique l'Europe, nique l'Occident. Mais pour que nous, on soit tous debout, on dise à tous ces mecs-là, non, t'as vu, tu viens pas chez nous couper notre forêt parce que nous, on en a besoin. Parce que demain, si chez nous, c'est la merde, c'est pas toi qui vas venir résoudre nos problèmes. Demain, si ma mère elle a faim, demain, si ma sœur elle mange pas, demain, si ma sœur elle est obligée de se prostituer pour qu'elle mange et que moi je suis dans la honte, c'est pas toi qui vas venir résoudre mon problème. Donc tu viens pas couper chez moi, va couper chez toi. S'il n'y a plus rien à couper chez toi, et bien débrouille-toi pour trouver une autre énergie. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je voudrais dire aux frères, tu vois. Surtout, faites le pas mental.
Parce qu'une fois que tu as vraiment dans ta tête, tu sais ce qui se passe, voilà, il n'y a rien qui te fait peur. Parce que tu sais que franchement, tout le monde, on va tous finir par